peuple congolais, ben tu es au Congo, ben déconnions sur la RDC, ben en France, ben en Belgique, ben à Londres, ben en Irlande, ben en Espagne, ben en Allemagne, ben en Hollande, ben en Afrique du Sud, ben en Maroc, ben en RDC Congo, ben en Angola. En fait, j'ai pris ce temps pour faire ces petits messages parce que franchement, les Camerounais là bas, ils ont vraiment pas si mingi quoi, et ça n'est pas si mingi. Bien sûr que moi je fais partie de la résistance, je suis un combattant. Et que Bissouna, bah, musicien congolais, dans les temps, c'est un peu en froid, quoi. C'est un moi, comme on peut dire, guerre, si je peux dire ainsi, mais toujours bundaté, toujours bon malapété. Et on a toujours répété, malgré tout boya concert, les musiciens ne sont pas nos ennemis. Mais les Camerounais, dans l'hôtel Camoyo, vidéo, ce matin, un frère m'a envoyé une vidéo en privé. Nathalie vidéo en haut et salinaï n'a pas si et pessinaï n'a soni pena mawa ya rosala congolais. Je veux dire quoi par là en fait les frères. On m'a dit biso ba congolais, tous en a salmani. Hein? Tous en a ba médecin te biso tout. Tous en a infirmière te ou ba je ne sais pas quoi. Non? On est spécialiste. Ya ko diagnostiquer ba maladie à bato. Ba maladie ou esa réalité. Mais ça, je ne les appuie précisément pour la monsieur, pour la président du groupe Wenge Musique à Maison Mère, oui, Ranson de la Forêt. En fait, mes vieux, naïna le baboué. Au moment où RZO de Canaba Télé, RZO c'est un message que aux leaders d'opinion. De un, il faut avoir une vraie valeur, une vraie signification à cause de la leader d'opinion. Déjà, de un, c'est une honte pour vous. Parce que le biso va combattre comme jaloux nabino, biso va combattre comme batumabe contre un musicien. Mais entre temps, Bozobo Sana, de nous et de vous, qui sont les plus mauvais, je vais démontrer tout de suite là. Je vais dire quoi. Wera, son patron au groupe Wenge Musique à Maison Mère, dans l'orchestre Nao, aux en a plus de 30 travailleurs. De tous ces travailleurs-là, même pas un seul a un contrat. Ozo Laksaki, Azo travaille pas Nao. Azora salaire chaque fin du mois, salaire montant tel, ils n'ont pas de contrat. Aucun a un contrat. De deux, tous ces enfants-là, binobo utilisa bango, n'a pas sacrifice nabino, comme ma bana batu, papa ndakanganga, konyo kola bana batu. Même deux fois, koti n'a bango basala sacrifice humain dans leur famille, ou de sacrifier leur progéniture, yabango moko. Tout ça c'est normal. Et de trois, monsieur Weranson, soi-disant ambassadeur de la paix, un leader d'opinion, soi-disant, un leader au Congo, soi-disant, monsieur Ouera, comment Penza, na niveau na yo, hein, au permettre ces deux énergumènes là, au permettre na ba deux animaux na yo ya zo, de s'attaquer publiquement, hein, devant les médias, devant tout le monde, aux petits héritiers. Je veux dire quoi? Moi, je m'en fous de vos embrouilles d'orchestre, que les petits Alongwe Panayo Akei, ils ont un business, parce que vos trucs ne m'intéressent pas. Mais si je parle par rapport à ce sujet, parce que je suis un jeune Congolais, je suis un Congolais, et je regarde tout ce qui se passe dans notre communauté, par rapport à l'image sale qu'on veut effacer sur notre communauté à l'étranger, le message que nous avons dans la vidéo, surtout les éléments, il y a qu'on finit publiquement, qu'on globe publiquement que, soi-disant, les petits héritiers, il est atteint par le virus du VIH. Mais wana, au bout de ça, la vidéo, wana, vous évitez que ça atteinte à la vie privée, et puis ça qu'on nuire la vie privée à Moutou. Même héritier à wana, à quoi qu'on soit vidéo, wana, à quel moment le tribunal qu'on poursuive la binôme en justice. Hein? C'est puni par la loi. Et le Robin Bossaliwana, ça ne se fait pas. En étant un leader d'opinion, en étant un ambassadeur de la paix, soi-disant, on ne peut jamais qu'on permettre, Banawana, Batunayoana, Balekana Télé, Finaye, qui est héritier, faux chanteur, héritier, Bouinabou, voyou, koulou, nabetra, batunde, bolobara. Ils peuvent dire ça. Mais allez dire que héritier a dans la sida, en sachant que vous n'êtes pas des membres médicaux, vous avez un médecin, vous avez un docteur, vous avez une infirmité, en sachant que héritier, avant la carrière, avant la famille, avant la famille. Si vous avez besoin de salir l'image à Moutou, vous salir musicalement, artistiquement, vous avez besoin de toucher, vous avez besoin de personnellement, et ça n'a pas si. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait régler nos différences ou nos embrouilles.
Ce qui est héritier à l'ongoni maison mère. Bino boza ba kolo succès, ba kolo stratège, ba kolo nyoso. Mais ego soit bino wa petit boko mon niveau ya ofinga e. Moi je défends pas héritier. Héritier c'est mon petit à moi. Je le connais depuis. Et je veux dire aussi que Monsieur Ouera, combien de voyages vous venez en musique à maison mère et à Kana à Bruxelles? Combien de voyages Bouyaka? Bouyaka n'a jeune moro orphelin, Michael Tchindou, je crois. Michael Tchindou, tout le monde le connaît, c'est lui qui a chanté la chanson Orphelin. Ils sont foutés de moi, hein, le petit Michael. Et une fois à Bruxelles, nous on est venu vous voir dans votre siège là, en Anderlecht, vous allez quitter. Nana Masalanga Junior Omombo, Gino Mafia, c'est lui mon témoin. Tu es dans le siège, tu écoutes un petit Michael Wana agonisé à l'aile de la canapé, malade, le petit transpiré. Il n'avait même pas son passeport pour aller à l'hôpital. Le petit n'avait rien, il pouvait crever. Moi et ma fille, je suis allé dans la Mercedes, malgré malade, ma transpiration, je suis allé dans l'hôpital. Je suis allé dans une carte d'identité pour se faire soigner. Le petit est sorti là, à son hôpital, il a passé à Bakish, ordonnance, il est dans la pharmacie, il est allé à Bakish. Vous comprenez? On a amour, il y a jeune frère, on a dit malade. Vous comprenez? On a tout pour aider, pour aider la musique à mes mère. Après ça, après le double SMIC, petit héritier, à Bruxelles, même problème. Héritier, il était malade, il n'avait pas de papier pour aller à l'hôpital. Moi encore et mon autre pote là, tu veux m'aider ou non? Je suis allé à Nadou Kafouba. Je suis allé à Nadou Kafouba, Coxon. Tu veux m'aider héritier dans l'hôpital? Ton PCR carte d'onté à se faire soigner, bah résultat est qui chez Bisso avant ton PCR en gros. Mais tout le monde a dit le camacidata. Tout le monde a dit le camacidata. Les petits étaient bien, il avait juste la grippe. Il était des centaines d'années dans le normal, héritier quand on a eu le finger dans l'élo. Mais, nazo côté de mener, nazo maître, je fais la part des choses. Et ça, il n'a pas si peu, moi. C'est triste que Bisso de l'Oba Congolais, tout comme Maratine à niveau, il y a un PCR à battre malade, oh yo, yo, ça me tient, oh yo, ça on a prévu, oh yo, paix et coquille, qu'on a eu un problème. Vis-à-vis de la justice, bande de là, monsieur Ransom, osa adulte, osa mature, osa mukolo, osa expérience, trop osa maïe les mines, oyebi. C'est pas comme ça, bah, Gérald. Et puis héritier, alors moi, oh, tu es pas naïo, moi, oh, yo sali.